Marlène Schiappa, ce geste très personnel de la secrétaire d'État à l'égard des femmes atteintes du cancer. Pour le bien des femmes, Marlène Schiappa ne recule devant rien. Alors qu'Octobre Rose, la campagne annuelle de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein touche à sa fin, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes a décidé de s'impliquer personnellement, en prenant une décision qu'elle a souhaité partager avec les Français. Pour aider les femmes qui perdent leurs cheveux à cause des violents effets de la chimiothérapie, Marlène Schiappa a tout simplement décidé de faire don de quelques mèches de cheveux à une association qui fabrique des perruques pour les femmes atteintes d'un cancer. Un geste fort qu'elle a longtemps hésité à rendre public. Réputée pour sa poigne et sa détermination, la femme politique s'est finalement lancée pour celles qui perdent leurs cheveux avec le traitement et n'ont pas toujours les moyens d'acheter une perruque si elles le veulent. Dans un long message posté sur son compte Facebook, la jeune maman de 35 ans a expliqué : « C'est très simple, il suffit de couper au moins 25 cm, d'en faire une ou plusieurs couettes et de les envoyer par courrier / Marlène Schiappa a également tenu à préciser avoir largement été inspirée par la générosité de sa sœur Carla, qui fait don de ses cheveux tous les deux ans. Touchée par l'initiative de la secrétaire d'État, les internautes n'ont pas tardé à réagir. Merci Marlène. Les femmes ont besoin de gestes solidaires comme celui-là, écrit l'une d'entre elles, suivie par une jeune femme qui semble du même avis. Très beau geste, tu as eu raison de le partager. Merci. Un très bel exemple de sororité.